In a world where strangers are merely fleeting faces in a crowded street. Destiny with the different tale for us. Six off-road vehicles. Six teams, stranger to each other. Our story begins on a summer day, raindrops orchestrating a melancholic melody upon the windshield as we take off from France towards the unchallenged vastness of pain. We embark on this odyssey, hearts craving for greater horizons, each one of us carrying his own dreams and aspirations. We were bound by a shared desire for adventure. We discovered that we had more than just roads and landscapes to conquer. We had the immense task of building human connections, fostering trust and forging bonds between individuals who were once strangers. But at least, we were truly free. And after exploring series of areas for suitable events, we settled our first campground near Lumbier, nestled in a level field graced by the Rio Salazar River. Ben c'est vraiment comparable à une colonie de vacances. Au début, tu te connais pas. Tu te fais la bise, enchantée, Margot, Julien, un peu gêné, tu vois. Donc tu arrives, le premier jour, c'est un peu bizarre. Premier déjeuner, tu apprends à faire connaissance et tout. Et au final, tu vis tellement une semaine de ouf et tu vis tellement des trucs incroyables que tu vivras jamais avec d'autres gens qu'à la fin, tu t'aimes trop. When we just met all together, it was the first time we met, and we didn't know how everything's gonna work. And after a few days, we just discovered that everybody was like helping each other, and there were a lot of complementarity between the different person. And it was crazy, like it was just a dream team. We just have all different backgrounds and different way of life, but everybody was getting along, and that was really great. It's hard to find some key moments because the trip was just outstanding. It was really an adventure. It was really wild. So I guess the wilderness was a big surprise. I wasn't expecting it to be that long without seeing anyone. It was just us, the six trucks together, and that's it. So the driving was amazing. We shared awesome times as well with people we didn't know at first. So that was also a second surprise, a big one. All those human beings getting together, and it went super smooth. I mean, it was really a good time. So. Allez, on envoie les chevaux là un petit peu. The trip was just rad for that. As the sun unveiled the second day, we traversed the heart of Aragon region, following the sinuous track that wind along the river. Ce qui m'a vraiment changé et quelque chose vraiment qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment cet esprit d'équipe qu'on peut avoir sans se connaître. Et au final, avec des gens que tu connais pas et qui partagent la même passion, arriver à faire un groupe uni comme si on se connaissait en fin de compte depuis des années. Et ça, c'est vraiment des super beaux moments finalement avec des gens qu'on connaissait pas forcément et on en regarde vraiment ouais, des super souvenirs. Ouais. Solidarité, il y avait un mot qui devait définir. Et alchimie, deux mots, alchimie, solidarité.
Not far from the enchanting Barranco de Onzanova, a picturesque lake become our sanctuary for the night, where we reveled in the serenity of our surroundings. C'est la première fois qu'on partait, nous, avec notre fils qui a 2 ans. Donc c'était un peu le challenge aussi de savoir si, bah déjà, si ça allait lui plaire et comment ça allait se passer, l'organisation, le camp, la vie aussi avec tout le monde, de pouvoir pas trop retarder le voyage, essayer d'être dans le même timing que tout le monde. Et finalement, moi, ce qui m'a plu, c'est que déjà, tout le monde se cale un peu aussi sur la vie des enfants, puisqu'on avait 2 enfants dans le groupe. Et en fait, on était souvent en avance. On n'aime pas trop retarder, donc on prend de l'avance. J'ai vu que déjà, ma famille, on pouvait partir comme ça et que vivre simplement avec juste le nécessaire pour faire à manger, avoir bien chaud la nuit et une petite tente, et on passait de très bons moments. Et greffer ça avec un groupe maintenant d'amis, c'était vraiment sympa de partager, de raconter ces histoires le soir au coin du bivouac, Le côté partage, j'ai vraiment découvert ça avec le groupe, c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé ça. With the dawn of the third day, we embarked upon the enigmatic Bianca Halda, driven by an unyielding quest to uncover the legendary Castel di Terra. A monumental rock formation named the Big Pickle by our group. And ascending to El Plano, we were greeted by astonishing and breathless vistas, as Spanish fighter jets graced the sky right above our 6x4. Like if they wanted to say, "Hi guys!" Ouais, maintenant j'ai envie de voyager qu'avec mon 4x4, tout le temps. Je veux plus partir sans mon 4x4. Mec qui veut acheter un van, faites cette connerie-là de foutre 60 000 euros dans un van, puis revendez-le 6 mois plus tard et achetez un 4x4 et aménagez-le, parce que franchement, c'est 100 fois mieux, 100 fois mieux. Outre des rehausses de 5, une tente de toit de 45 mètres carrés, piscine, toboggan, lave-vaisselle, enfin un complet quoi. Des débattements de débiles, des rampes qui t'éclairent à 3 km, enfin... Ouais, Overland à l'américaine. Alors moi, c'est ce que je trouve assez incroyable. On a eu en fait une unité de groupe automatiquement. C'est-à-dire qu'on est parti, on se connaît pas, on avance, on tente des petites blagues, des petits trucs pour essayer de voir comment l'autre y réagit. Et en fait, on se rend compte que tout le monde est dans la bonne humeur, tout le monde est dans le partage, tout le monde est dans la blague. Et il y a même des moments où tu peux te dire, dans ce type d'aventure, il y a quand même des moments durs où il y a la fatigue qui s'installe, il y a des automatismes qui démarrent, et en fait, pas un mot plus haut que l'autre, et qu'il n'y a personne qui s'énerve, il n'y a personne pas à sa place en fait. Et ça, c'est quand même fou, parce qu'on se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Et automatiquement, en fait, par le partage de la passion commune, c'est connecté, quoi. Le sentiment que ça me procure quand il y a les 6x4 qui suivent, la poussière qui vole, c'est vraiment un sentiment de liberté intense. Et après, un sentiment de me sentir badass. Surtout quand c'est moi qui conduis le P38 à la tête du cortège. Petite nana là dans son P38, la classe. Nous, on était souvent sur la fin avec Anse, et voyez les paysages qui défilaient avec les 6x4. Et d'être dans le groupe, un sentiment d'appartenance, de fierté, c'était vraiment chouette. Ouais.
pensais pas aimer autant ça, le 4x4, la conduite du 4x4. Et que c'était dur pour moi de passer le volant. Mes moments préférés, je pense, c'est les moments où on roule et où il y a un paysage qui est incroyable, où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, assis 4x4, perdu au milieu de nulle part. On a l'impression d'être au milieu d'une terre inconnue alors qu'on est, on est à 500 km de la France, quoi. Et ça, c'est assez fantastique. Ah, c'est une balayette Yeti. C'est des poils carbone avec un manche en titane. Et la pelle, elle est aspirante. C'est fantastique. C'est un cadeau. C'est aérodynamique. Oui, on a un ramasse-poussière très fileté, testé en soufflerie. C'est exceptionnel. Tu l'as acheté chez Abian, ça, non ? Abian, ouais. Abian 64. C'est du Grand Mendes. C'est du Grand Mendes. Merci. They fall unveiled the southern realms of Aragon, revealing a myriad of wine turbines and the mesmerizing landscapes of the Ribota Valley. Tu fais à manger d'eau. Oh là, ça va être rapide, donc c'est l'entrée de la pizza. Alors à midi, nous nous faisons un petit jambon beurre avec du jambon de chez Montauzé, jambon de Bayonne. On est sur de l'IGP avec un petit beurre doux qu'on a acheté chez Aldi, c'est merveilleux. Je t'ai vu. En fin de compte, on sortait du désert, des Bardenas, on retrouve un peu de verdure, et puis ce qui est vraiment fantastique, c'est d'un seul coup, en quelques kilomètres, on se retrouve dans des paysages qui n'ont en fait rien à voir, et pourtant qui sont juste à côté, quoi, donc... On a vu des trucs assez spectaculaires, on a eu des super beaux points de vue, et ça c'était vraiment chouette. As we face challenges together, shared meals, and experience moments of triumph and setbacks, the invisible threads of camaraderie wove themselves intricately within our group. And through genuine interactions, mutual support, and a collective willingness to embrace the unknown, we transform into a tightly knit team. Il restera à peu près une heure de conduite jusqu'au bivouac. Une heure de route, certainement. It was through this shared experience that we realized the true essence of our adventure lay not only in the places we explored, but in the profound connection we built with one another. And the journey became a testament to the power of human connection, reminding us that in a world of fleeting faces, the ties we cultivate are what truly enrich our lives.
je m'aperçois qu'à 2 heures de route, on a des paysages incroyables, des déserts, des choses qu'on ne voit de nulle part. On était ultra dépaysés. Des paysages incroyables et que du kiff. Les moments de vie, en fait, c'est fantastique. On se retrouve un soir, on est tous fatigués de la journée, personne mange ou dort dans son coin, on fait toujours une table commune. Voilà, on boit l'apéro, on discute, on crée une équipe. Et je pense que ça vient de là aussi, ce côté justement de tous se connaître, très vite devenir amis alors qu'on se connaît peu. C'est aussi parce que quelque part, en 7 jours, on est H24 ensemble. On est tous les jours ensemble, on est tous les heures ensemble, par quand on dort. Mais même quand on dort, on est à 5 mètres les uns des autres. Ça crée des moments de vie où on vit beaucoup plus ensemble. C'est beaucoup plus concentré, c'est une aventure très, très concentrée. It is under the starlit firmament we settled amidst an almond field in the Castilla y León region. We share the communal meal while savoring the sunset, painting in the sky in captivating hues. Mes moments préférés, il y en a un surtout qui m'a marqué, c'est le soir où on a fait la soirée guinguette en plein milieu du désert entre les champs d'amandiers où on s'est tous réunis en rond, on a fait un repas commun avec des grillades. C'était vraiment un moment très, très solidaire, moi j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et je pense que si je dois retenir vraiment un moment de ce voyage, ça serait ça, ouais. Ce qui est cool, c'est qu'on s'est tous rencontrés du coup via les réseaux sociaux. Donc là, on s'est fait une petite communauté et du coup, c'était un pari risqué parce qu'on s'est tous donné rendez-vous pour un voyage qu'on ne connaissait pas, l'aventure où on allait. Et en fait, on s'est aperçu qu'on est vraiment devenu une super famille parce qu'on a tous des défauts, des qualités. On a des mécanos, des pharmaciennes, des cuisiniers. C'était une super rencontre et de bons moments. Alors mes moments préférés, je pense que c'est le soir en fait, voilà, dès qu'on arrive à trouver un moment pour se poser, c'est vraiment le moment où tout le monde commence à souffler un peu, ça reste quand même une grosse journée, hein. Le 4x4 mine de rien c'est pas seulement du voyage plaisir, hein. C'est quelque chose d'assez énergivore, hein, au niveau de l'humain, donc le soir ouais, où tout le monde au final arrive un peu comme après une grosse séance de sport, quoi, un peu détendu, y a pas mal de bonne humeur aussi, hein. On est content aussi que la journée s'arrête et qu'on puisse boire un petit coup tous ensemble, et donc c'est ces petits moments qu'on a tous ensemble, des petits moments de vie commune, et où aussi on a un peu le temps d'apprendre à se connaître tous ensemble, quoi. The fifth day down, Pete intervened with a flat tire, afflicting our vehicle named Zulu. In haste, I rushed to assist him in changing it, with the rest of the team assisting us through the process. The surprising thing is probably how we all got together. Really, when either we had just to make a meal, everyone was getting around, helping out each other. When we got into some issues as well, it's like everyone is finding some ways to solve the problem. That's the most surprising.
While filling the tire, we encountered a Toyota carrying two individuals who approached us with warm greetings. Turned out to be their late father Sherry's 4x4. They embarked on a road trip as a tribute to his memory. Après, tant qu'il n'y a pas trop de Toyota qui se greffe à nous, moi ça me va. Même si ça commence à être un peu compliqué. Resuming our expedition, Zulu's additional light suffered damage, forcing us to undertake a makeshift repair before pressing on. I must say that tape and wristlet collars are definitely a go-to gear for quick and efficient repairs. Nous sommes en direct du grand village de petite ville espagnole où nous sommes arrêtés faire le plein du P38, it's a P48 pour le gasoline parce que nous n'avons plus de carburant. Nous allons reprendre la route en direct du bivouac de ce soir. Merci beaucoup. During this trip, we realized that we had some stuff to fix with Zulu. It's a very old truck and we still have some difficulties on a few stuff. So we're gonna need to focus on that first and then plan to go to other destinations. But the game is like, it's a never ending story. Alors Steve, c'est quoi le prochain truc qui va casser sur Zulu? Pour le moment, ça va, c'est que de l'accessoire. Ça promet des bonnes stories là, mais ça me permettra de changer la barlette, c'est bien, c'est une bonne chose, ça coûte pied au cul. But as twilight descended upon us, our hopes for a serene campsite near the tranquil Ambars La Tronquera were shattered when we found ourselves stuck in a swamp. Encore la faute de Land Rover. I guess my best one is still on that competition, silly competition between Toyotas and Rovers. I was the one who started getting a flat tire, so they all laugh at Toyota not being reliable. It was Steve that proudly using his Toyota to rescue not one, but two Rovers. A few days later, we got a Land Rover stuck. I had to be pulled over, and I got the chance to pull two other Rovers out of the mud. So I guess that's my most amazing experience on the trip. Je pense que c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas photo, il y en a qui continuent d'acheter les Land Rover, bon, c'est un choix. Getting some revenge. We started out the next day by discovering the magnificent Rogorout houses, nestled within the sacred ground of the Virgin de Jaraba sanctuary. Sadly, tragedy struck as we headed on the pass between Caramaza
and Mir Marcos, witnessing the rupture of the rear suspension on the Orange Landy, carrying Renault and Camille. Hours were spent on arduous efforts, making calls to garages, parts suppliers, and insurance companies. Unfortunately, the unique nature of the required parts necessitated the towing of the Rover to a dealership in Zaragoza. Sur une route carrossable à 200 mètres de la départementale. De la route, quoi. Ouais, CLE, égale. CLE. Il était plus tard, c'est quoi ? Oui, c'est Mille Marcos. En fait, c'est juste un petit lieu dit. Ouais, Mille Marcos, ça n'a pas l'air. J'ai rien reçu. Vous n'avez pas reçu, là ? Dans le numéro, là, vous pouvez répéter le numéro quand on a fait une erreur de zéro. Particulier, parce que déjà, c'est un véhicule d'assistance. Qui a été hyper bien équipé. Donc c'est un véhicule qui est dans la flotte du groupe, pas censé être celui qui tombe. Comme quoi, ça montre que le 4x4, c'est ça aussi, c'est l'aventure et ça oblige en fait à réfléchir à tout. Et en fait, c'est une panne assez particulière. Réparer plein de choses sur la route, il y a plein de choses que tu peux prévoir de réparer. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Là, en l'occurrence, on se retrouve dans une situation où le 4x4 a un boudin qui est crevé. Et au lieu de pouvoir aller quelque part pour trouver un boudin pneumatique et le changer, en fait, on a un problème de mise en sécurité. C'est-à-dire qu'on a un 4x4 qui est récent, et ce 4x4, il se met complètement en sécurité. Il est posé sur les quatre roues, puisqu'il ne veut plus avancer, puisqu'il voit qu'il y a un boudin crevé. Donc l'électronique bloque la mécanique. Yet, the tow strike delayed arrival on those remote tracks prompted us to devise a daring plan. With the head of the locals from Mil Marcos, we managed to pursue the driver to venture into the off-road terrain and rescue us. J'ai dû mettre fin à l'aventure à cause d'une suspension qui a cassé. Et toute l'équipe m'a soutenu et resté avec moi pendant 7-8 heures quasiment en plein soleil pour essayer de réparer, en vain bien sûr. J'ai très mal vécu le moment. Oh non. C'est génial, on adore. T'adore ? Bon, on va acheter un nouveau 4x4. Et mieux. Après, pour être honnête, je pensais que jusqu'à la dernière minute, Martin, qui est un peu notre chef méca, qui allait me trouver une solution. Je comptais sur lui, je pense que même lui un peu s'en est voulu de ne pas y être arrivé, mais jusqu'au moment où il était sur la dépanneuse, j'y croyais pas. Et le problème, c'est que j'ai essayé plein de choses, et à un moment donné, le boudin il est crevé, la pièce elle est spécifique, on est en plein milieu de l'Espagne, il n'y a pas de possibilité, quoi. Puis on est parti cœur noué, boule au ventre et larmes à l'œil, quoi. Alas, it marked the end of the journey for Renault, Hemi and the Orange Landy. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi-même ? Là, c'est assez compliqué comme question. C'est bon, j'ai quand même l'habitude de faire l'autonomie. Moi j'ai appris un peu à m'adapter avec tout le monde. Savoir s'adapter au rythme de tout le monde, parce qu'on a tous des parcours de vie différents et des situations différentes. Les enfants, franchement, ils ont été top. Il y avait des chiens, on était tous différents, quoi, et au final, ça a super bien marché. Ce que j'ai appris sur moi-même, c'est vivre en groupe. Ça m'a appris ça, ça m'a appris à me surpasser parce que je suis un peu une princesse et moi, j'aime ma douche chaude, j'aime mon chaud confortable. Finalement, je me suis aperçu que ce strict minimum m'a pu me permettre de faire une aventure incroyable et si j'avais pu finalement continuer 6 mois, je l'aurais fait vraiment avec grand plaisir. Et le chien a rien dit. The dawn of the next morning brought yet another setback for the team, as the Blobé family was compelled to return to France,
leaving me as the sole Land Rover amidst a sea of Nissans and Toyotas. And as the landscapes unfold before our eyes, we head out on a 7-day, venturing through the breathtaking Alto Tahoe Natural Park. Pausing to relish a meal and immerse ourselves in the refreshing embrace of the marvelous El Tahoe River, we indulge moments of respite. During the 8 days we got to travel, we had so many different landscapes, and that was kind of crazy, going from the desert to those huge forests and those rivers. I just remember that day when we just went for lunch with a spot. We were just parked next to a river, and the water was just crystal clear. It was just unreal. And we just had a bath there, and it was like super fresh, but super cool. Our journey pressed on, leading us towards Albarracin, where we stood in awe of towering ramparts that cast their gaze upon the valley below. Oh, I must not forget to mention that I lost the drone. But thanks to the unwavering support of our team, we were able to recover it. Alors les paysages qu'on a traversés, c'était lunaire, une terre grise, avec des volumes assez particuliers. C'était assez pittoresque parce qu'on voyait cette terre qui sortait du sol, et en même temps ça pouvait être très vert à côté. Moi, c'est une aventure qui a un peu changé ma vision de la vie au sens large. On apprend à vivre autrement en fait. Déjà, on est dans un monde assez matérialiste où on a énormément besoin d'objets, etc. Et c'est d'ailleurs le cas du 4x4. On part tous avec nos frigos, nos crics, nos accessoires. C'était quand tu pars dans des aventures comme ça, tu te rends compte qu'en fait, il y a plein de choses que tu as pris qui, de 1, ne te servent pas. De 2, prennent de la place et du poids pour rien. Et de 3, en fait, te ramènent à concevoir que la vie, c'est autour de la personne, de l'humain et des personnes et du groupe, et pas autour des objets avec lesquels on voyage. Je sais pas si je me verrais vivre comme ça, mais une chose est sûre, j'ai envie d'expérimenter ça beaucoup plus longtemps, sur des semaines et des mois, pour vraiment découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien, des paysages, des nouveaux pays, de découvrir. Pour moi, c'est ça plus la vraie vie. Je te dis que la vie s'accélère. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu peut-être 2 mois de ma vie en une semaine. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, si je pars plus souvent ou plus longtemps, je vis plus. Et je me dis, quelqu'un qui voyage 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait, peut-être qu'il voit autant de choses qu'une personne qui vit normalement chez elle en 10 ans. Ça te montre à quel point le temps passe pas à la même vitesse en voyage que dans une vie métro, boulot, dodo, quoi. Et ça change ta vision, ouais, du temps qui passe, en fait. C'est le rapport au temps qui est complètement différent. And as the 8th day emerged, our grand adventure neared its conclusion as we ventured towards Tyrion. Traversing the captivating canyon Hoho and reveling in the natural terrain that tested the limits of our vehicles one last time. And as the dust of our tire track settled, we couldn't help but marvel at the profound bond forged between a group of strangers turned into comrades. Our shared experience had transformed
the mere passage of day into a timeless odyssey, solidifying the extreme Picorum team, a tight-knit collective destined for even more incredible adventures and the promise of future films.